pote, c'est Suntage, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Ces derniers temps les potes on faisait des vidéos directement sur le jeu, mais cette fois-ci voilà, là j'ai plus de détails à vous apporter, c'est pourquoi on se retrouve dans une vidéo d'information tout à fait comme d'habitude. Alors préparez-vous les potes parce que je vais vous envoyer le sommaire tout de suite. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? Eh bien je dois vous montrer pas mal de petites choses, notamment si je vous dis que Deadpool peut nager, mais cette fois-ci, attention, il ne s'agissait pas du Deadpool que vous connaissez, mais d'un Deadpool tout autre. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Il faut aussi que je vous parle d'une pioche qui vous rend plus rapide. Comme vous le savez, la Epic Games ont apporté un point d'honneur à dire que certains accessoires n'apportaient pas d'avantage compétitif. Eh bien, grâce à un bug, ça a été le cas et vous allez voir à cause de quoi. On va aussi parler d'un nouveau skin et il s'agit d'un skin pay to win. En gros, c'est un skin qui va vous permettre d'avoir un avantage compétitif sur le jeu malgré ce que vous dit Epic Games. Et franchement, ça c'est vraiment quelque chose à savoir. On parlera aussi de Deadpool sans masque car oui les potes, on sait enfin comment l'obtenir. Et cela, ce sera grâce à des défis. Rassurez-vous, je vous dirai absolument tout. Et si je vous dis maintenant qu'un goulag pourrait faire son apparition sur Fortnite, eh bien les potes, c'est carrément possible. J'ai pas mal de choses à vous dire. Et enfin, je vous montrerai un bug de grenade gaz qui va permettre de créer un bunker, vraiment un petit bunker tout petit qui est assez cool. Et franchement, ça c'est carrément quelque chose à connaître. Alors voilà les potes, on va commencer la vidéo tout de suite. Mais juste avant, je compte sur vous pour vous abonner pour ne rien rater de ce qui va se passer prochainement. Car comme vous le savez, on s'approche de jour en jour de la fin de cette saison. Et il va y avoir énormément de nouveautés prochainement qui ne seront à ne pas manquer. Je compte sur vous aussi pour me mettre un petit like et encore un gros GG à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Scented SUNTTED. Un gros merci à vous. Et du coup, on commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui les potes, dans cette vidéo, comme je vous le disais, il faut que je vous montre Deadpool qui nage. Mais attention, il ne s'agit pas d'un personnage que l'on connaît, mais vraiment de Deadpool lui-même. Regardez-moi cette petite photo. Clairement là, on y voit en fait, eh bien, un Deadpool énorme. Et il ne s'agit apparemment que d'un bug de texture, un bug visuel. Mais bon, je me suis dit ça quand même, il faut quand même que je vous le montre car c'est quand même assez impressionnant. Allez, maintenant si je vous dis qu'une pioche vous permet d'accélérer sur Fortnite et vous rend plus rapide en game, eh bien les potes, c'est réel, c'est bien réel car en gros je vous explique, Epic Games avait ajouté une pioche, la voici, qui vous permet d'être plus rapide sur Fortnite. Et clairement on va pas se le cacher, mais si il y a une pioche qui nous permet d'être beaucoup plus rapide sur Fortnite, eh bien c'est un réel avantage. Alors voilà, malheureusement Epic Games s'est rendu compte de la supercherie car oui, ils n'ont pas mis longtemps à désactiver cette fameuse pioche. Et là quand même certains joueurs en avaient profité pour rusher la zone. Car oui, imaginez que vous êtes tout au bout de la carte de Fortnite et que là vous vous rendez compte au dernier moment que finalement la zone safe est super loin. Et bien là, quoi de mieux qu'une pioche qui vous permet d'être bien plus rapide. Alors voilà, si jamais vous en avez pu en profiter, et bien tant mieux. Malheureusement si vous n'étiez pas au courant, et bien Epic Games a désactivé cette pioche et a même déjà corrigé le bug. Et d'ailleurs pendant qu'on parle de la pioche, et eh bien il faut que je vous parle d'un skin pay to win. Alors en gros je vous explique le principe. Pay to win, qu'est-ce que c'est? Et eh bien ça consiste à dire que vous allez pouvoir acheter des choses qui vont vous permettre de gagner plus facilement sur Fortnite. Et eh bien actuellement énormément pensent que c'est le cas, car actuellement il y a certains skins qui vous permettent de vous fondre dans le décor bien plus facilement qu'avec d'autres skins. J'ai nommé par exemple le skin carton. En gros c'est un skin où vous êtes déguisé en carton de A à Z, et on va pas se le cacher, c'est vrai que si vous ressemblez à un carton et que vous vous cachez près de plein de cartons, et bien là vous allez pouvoir vous camoufler parfaitement. Et cela déplaît à certaines personnes qui pensent que forcément si vous n'avez pas les moyens d'acheter ce skin là par exemple, et bien vous allez être désavantagé concernant d'autres joueurs qui auraient des camouflages bien plus visibles. Alors personnellement les potes, je suis pas vraiment d'accord avec ça, car oui ça fait un peu sujet polémique pour rien du tout. Car franchement là, chacun est libre d'utiliser un personnage comme il le veut. En plus d'un côté, ce n'est pas parce que vous avez le skin carton que vous allez à chaque game vous planquer derrière des cartons. Alors voilà, moi clairement je pense que Epic Games ont bien réussi le coup en disant que certains skins, enfin que même l'ensemble des skins n'apportaient pas d'avantage compétitif, et je suis quand même bien d'accord avec eux. Alors voilà, j'aimerais quand même savoir un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires les potes, clairement n'hésitez pas. Allez, maintenant comme je vous le disais, il est possible d'obtenir le skin Deadpool mais sans masque comme vous le savez, ou d'ailleurs vous ne le savez peut-être pas.
il y a eu une petite émote scooter sur Deadpool. Et en gros, il y a un petit autocollant sur ce fameux scooter qui fait référence à un skin banane, mais dans une version Marvel, dans une version Deadpool. Et clairement, là, cela veut bel et bien dire que très prochainement, on aura l'occasion de débloquer une variante banane à l'effigie de l'image de Deadpool. Et ça, franchement, je suis énormément content. Car c'est vrai qu'on avait même eu des théories précédemment concernant ça. Alors voilà, maintenant ça devient carrément une réalité. Alors est-ce que vous kiffez l'apparition du skin banane Deadpool et prochainement? Eh bien les potes, si c'est le cas, je compte sur vous pour que vous me le disiez dans les commentaires. Même si il y a pas mal de chances que ce skin soit un skin payant. Alors voilà, peut-être sera-t-il disponible avec les défis? Eh bien peut-être et peut-être pas. D'ailleurs, qui sera disponible avec des défis? Eh bien le skin Deadpool sans masque. Comme vous le savez, eh bien les potes, certains défis de Deadpool ont fuité. Et comment va-t-on pouvoir débloquer le skin Deadpool sans masque? Eh bien, il va falloir faire deux choses. Il va falloir trouver la bouée de bain de Deadpool et danser à la fête de Deadpool sur le yacht. Et là, je peux d'ores et déjà vous dire que la bouée de bain de Deadpool, où est-elle? Eh bien, à mon avis, elle est tout à l'arrière du yacht, tout en bas. Car oui, sur un transat, on y voit la bouée de bain Deadpool. Alors, prochainement, on pourra la récupérer et danser à la fête de Deadpool sur le yacht. Rien de plus simple. Vous vous rendez au niveau de la piste de danse et là, vous envoyez votre meilleure émote, les potes. Comme ça, vous pourrez débloquer la variante de Deadpool sans son masque, même si moi, je le trouve carrément moche, mais carrément aussi stylé. Allez, et si maintenant, on parlait du goulag? En gros, le goulag, je vous explique, il s'agit d'une amélioration sur d'autres Battle Royale qui vous permettent d'obtenir une deuxième chance sur le jeu. En gros, admettons que là, vous allez à Tilted, même si Tilted n'existe plus, mais admettons qu'il existe toujours. Vous allez à Tilted, là, vous commencez votre game et comme par hasard, vous tombez sur une squad de Bambi sauvage qui vous déboîte directement dès le début de la game. Et bien là, là vous vous dites, oh là là, je suis dégoûté, je vais pas pouvoir revivre. Et bien en gros, le goulag, c'est un 1v1. Une fois que vous êtes mort, ça vous emmène dans une espèce de pièce géante où vous faites un 1v1. Ça pourrait être un 1v1 bullfight. Et celui qui gagne réintégrerait la partie, la game, ce qui lui donnerait une deuxième chance. Alors est-ce que Fortnite va décider d'ajouter cela directement dans le jeu, dans le mode Battle Royale? Et bien c'est possible les potes, même si je pense qu'en réalité il y a très peu de chance, car oui, ils ont déjà amené les vannes de réapparition, mais d'un côté l'un n'empêche pas l'autre. Alors voilà, il faudra voir si Epic Games décide d'apporter certains changements prochainement, mais je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Allez, maintenant je dois vous parler d'un bug qui va vous montrer en fait un mini bunker secret, ce qui va créer un mini bunker. Et en gros, cela se passe uniquement dans le mode créatif, mais le bug pourrait se déplacer très prochainement dans le mode Battle Royale. Regardez ce à quoi ça ressemble. Moi personnellement, je me dis waouh, qu'est-ce que sont en train de faire Epic Games? Car oui, là les potes, j'ai bien peur qu'il ne s'agisse bien plus que d'un simple bug de texture. Alors je vais continuer de mener mon enquête. Alors voilà, en tout cas, si jamais ça vous est arrivé, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, car j'ai quelques petites questions à vous poser concernant ça. S'agit-il simplement d'un bug de texture, ou alors s'agit-il d'un concept que Epic Games vont ajouter très prochainement? Eh bien ça les potes, seul l'avenir nous le dira. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de pouces bleus, à vous abonner. Encore un gros GG à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Scented SNTTED. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un prochain live. Ciao les potes!